ceux qui vont relever le défi des montagnes noires. Ici, vous voyez, c'est la 315. En tout cas, ça, c'est la 315. Puis ici, ça se trouve être le chemin des montagnes noires. Fait que vous allez voir ça ici, P1. C'est tout de suite en tournant, là. Vous allez voir, c'est le premier stationnement où ça va se passer le matin pour les 7 km. Ou un 4. Ou je viens de voir qu'on pourrait faire un 2.28, là, aussi, qu'on vient de faire, moi puis Julie, parce qu'aujourd'hui, c'est collant, ça avance pas, les chiens, ils ont chaud. Fait qu'on a coupé ça à 2.28 km. C'était super le fun. Bon, encore moi. Donc, on est ici au P1 pour le départ. On va se placer ici, ça va être une zone là, de préparation. Le départ va se faire ici. Le P1 est juste derrière moi. On se prépare. Le départ va se faire ici. Donc, toute cette section-là ici, il va pouvoir avoir croisement. On va prendre ici à la gauche. Et puis là, il y a un nouveau sentier qui n'est pas encore sur la carte, qui est la 11. Ça descend. Puis ça remonte, ça revient chercher la 4 à peu près au même endroit. On reprend la 4. Ça ici, là, c'est faux plat. Descendant. Là, on monte ici, ça monte tranquillement. Donc, ceux qui ont trouvé ça dur, jusqu'ici, vont pouvoir avoir l'option de sortir puis s'en aller au stationnement. Ceux qui veulent faire un bon 7 km ou continuer pour un 4, on tourne à gauche. On monte. Il y a des bons pitchs avec des faux plats, des pitchs. Ça monte, ça monte, ça monte. On sort pas à première ici, on continue. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Si jamais il y en a qui sont morts et qui veulent couper droite, ici, ça fait droit, on est là pour s'amuser. Là, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis ici, on tourne. C'est vraiment un virage d'une descente là, à droite, là. On va l'indiquer. Et puis ça descend, un petit monté. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Wouhou, on descend jusqu'en bas. Ce virage-là ici est critique. En avant! Viens ici! Viens ici! Il va falloir bien ralentir et tourner. On veut du monde de bénévoles ici pour tourner. Et puis, ceux qui veulent finir ça ici, ils peuvent. On part à la gauche et puis on monte dans la montagne. On fait une boucle à la gauche. On revient, on monte la montagne et on redescend, on revient ici. Donc, on repasse ici au stationnement. Puis ceux qui veulent continuer pour les 7 km monter jusqu'en haut, ça se passe ici. Ceux qui veulent continuer pour les 7 km. On traverse le chemin, on monte. On continue ici, ça va être bien indiqué, on va tout... Allez, 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 allez!
marquer les sentiers. Et puis, on vient finir ça au chalet Stéphane Richer pour un 7-8 km. Là, avec la 11 de rajouter, je sais pas, je l'ai pas encore faite. Yeah, yeah, yeah! Allez, hop, hop! Yeah! Yeah!